Bien, je vais reprendre le premier œuf et le dupliquer. Lui appliquer un filet dégradé, objet, créer un filet dégradé. OK. Alors, vous avez un outil filet de dégradé. Non, ce n'est pas un outil filet de dégradé, c'est un outil filet, parce qu'il sert aussi pour d'autres cas, pour les filets de déformation notamment. Donc, c'est l'outil filet. Lui, il va vous servir à ajouter des lignes. Si vous cliquez à un endroit où il n'y a rien, ça va ajouter une ligne verticale et horizontale. Si vous cliquez à un endroit où il y a déjà une ligne, par exemple une verticale, ben ça ne peut ajouter qu'une horizontale. C'est ça le principe. Donc avec l'outil filet, si je clique à un endroit où il n'y a rien, ça ajoute une ligne horizontale et verticale sur le filet. Si je clique à un endroit où il y a déjà une ligne, ça ajoute une ligne ben, de l'autre type. Si je clique sur une horizontale, par exemple, ça va ajouter une verticale. Donc il y a possibilité, après avoir fait le filet, d'ajouter des lignes. Alors attention quand même qu'à un certain moment, ça devient très difficile à gérer s'il y a trop de lignes. On essaye d'en avoir le minimum possible. Alors pour supprimer des lignes, avec cet outil, vous allez enfoncer la touche Alt et quand vous cliquez sur un point, ça supprime les deux lignes. Si vous cliquez sur une ligne, ça supprime cette ligne. Ah tiens, ça m'a supprimé la verticale aussi. Pourquoi? Non, ah, j'ai cliqué sur la tangente peut-être. Non, si je clique là, ça va, ça supprime bien l'horizontale. Ok. Donc c'est la touche Alt. Hein. C'est la touche Alt pour supprimer. On clique sur un point, ça supprime deux lignes. On clique sur une ligne, ça supprime la ligne. Bon, je vais dupliquer cet œuf-là. On a donc vu que quand on amène du nuancier vers un carré, ça met la couleur aux quatre coins. Mais c'est peut-être pas ce que je veux, je vais annuler. Je peux aussi amener la couleur sur le point. Uniquement un point. Voilà. Et ça met la couleur sur ce point. Et vous voyez que le dégradé, dans mon cas, s'étend parce que j'ai très peu de lignes horizontales. Par contre, si je le mets là, ça va faire une tache. Voilà. Alors, la dernière ne s'est pas mise. J'ai peut-être mis la même qu'avant, en fait. Voilà. Donc, voilà. Vous allez pouvoir mettre des couleurs comme ça différentes si vous voulez. C'est le principe, c'est comme ça que ça marche. Si je supprime des lignes avec l'outil filet, les dégradés que j'ai mis là vont s'étendre. Logique. Voilà. Et si je supprime celles-là, ils vont aller encore plus haut. Voilà.